veille, les gars. Franchement, on joue comme si on avait peur. Moi, je parle pas de l'attaque, hein. Moi, c'est la défense. On dit des trucs qu'il faut faire, on sort pas sur les pick and roll, on les laisse shooter à 3 points. On va pas au rebond. Ils nous agressent, on peut même pas mettre la balle en jeu. Faut qu'on joue plus physique que ça. La Slovénie, on a joué physique. Là, on joue pas physique, là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. Et ça se voit dans leur visage. Ils nous prennent pour de la merde. Donc ouais, qu'est-ce qu'on... Je m'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi je préfère perdre si on en court en se battant. Pas comme ça là. Là on se fait défoncer là. C'était, je crois, le plus grand moment de ma carrière en équipe de France. C'était de trouver les mots justes pour piquer mes coéquipiers dans leur fierté. Pour qu'en deuxième mi-temps, on fasse la meilleure mi-temps de l'histoire du basket français. Hey, ouais, plus rien à perdre maintenant, plus rien à perdre. On joue. Je m'en France. Antoine, t'as un tir, tu prends. Alexis, t'as un tir, tu prends. On n'a plus rien à perdre maintenant. Let's go.